je ramasse un peu les artefacts. Et on rentre. Ça, c'est fait. Oh, le tricheur, il joue pas RP. Bah si, quand même. Non, non, mais c'est juste que c'est relou. Et de toute façon, je mourrais. Donc si je meurs, de toute façon, c'est fin du game. Yona, il s'est rechargé derrière. Donc, qu'est-ce que tu me veux, là? Il y a un petit qui me suit, là. Ouais, on rentre, hein. Voilà, pouet, pouet. Pouet, 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 pouet. On va faire des kits de réparation, il va falloir que je recrafte quelques... par où je rentre, moi? Par là. Dans ta gueule, la nature, voilà. On va essayer de pas rouler sur notre camp. On va poser le tank ici, on va le réparer. Après, c'est bon. Oh, par contre, ça freine. C'est bon. C'est vrai qu'on a masse de charbon là aussi. On va ramasser tout ce charbon ici. Il nous faut plein de fer qu'on va prendre ici. Et il est un petit peu trop pété, je trouve. C'est un petit peu overpowered l'astico. Hein. Pas le petit verre, il voulait devenir pianiste professionnel et avoir le prix Jeune Espoir de la musique classique et tu l'as écrasé. En même temps, il m'a attaqué. Il l'a cherché. Allez, on va faire 8000 kits de réparation. Réparer le tank. Et là, honnêtement, je pense que c'est à peu près fin du game. Hein. Le tank est trop pété. Ils vont plus pouvoir nous attaquer. Je sais plus les. Voilà. Ils vont plus pouvoir nous attaquer. Ma pollution va commencer à être complètement limitée. Ouais, okay, j'ai pas encore assez d'accumulateurs. Hein. Mais par contre, je dois avoir. Voilà, j'ai 55 panneaux solaires en plus. Peut-être même arrêter la production de panneaux solaires. Par contre, commencer la production en masse de d'accumulateurs. Peut-être même rechercher parce que ça, c'est les basiques. Apparemment, il y en a, il doit y en avoir des plus élevés. Non, voilà. Panneaux solaires, c'est de la merde. Nique la nature, rase la forêt et fait des putains de parkings. Non mais je peux pas en fait, parce que si je fais trop de pollution, les aliens continuent de m'attaquer. C'est pour ça que je vais quand même limiter mon impact sur la planète. C'est pour ça que je pose 8 milliards de panneaux solaires. Là. Là on va être pas mal. Faut être pas mal. Combien j'en ai? J'en ai 125. C'est raisonnable. Et des accumulateurs. Ah, par contre, j'ai presque plus de chemin. Va pas falloir que j'en pose plus. J'en poserai en haut. Des accumulateurs, il m'en faudrait. C'est des accumulateurs basiques. Alors, où est-ce qu'on a des accumulateurs non basiques? À la limite, vu qu'on a une production de potions monstrueuses, on va construire quelques centres de recherche en plus. Parce que vous voyez qu'on a beaucoup trop de potions. Je vais pouvoir poser quelques. Truc en plus. C'est quoi qu'il me faut? J'en sais rien. On s'en fout. Je ramasse de tout. Voilà. 4 de plus. C'est quoi qui me manque? Ah ouais, c'est du fer. C'est pas la soundtrack du jeu, hein, ici. Là, derrière, actuellement, c'est la musique de Deus Ex. S'il y a quasiment pas de musique dans le jeu, et c'est pour ça que je mets des OST d'autres choses. Tac. Là. On va. Ah, il va me falloir un répartiteur du coup. Une fois qu'il aura fini de tout crafter. Et on est bien! Et on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme camp proche de chez nous? Il y a ces trois-là, mais ces trois-là. Osef, parce que c'est que des trous de verre. Il y a celui-ci, mais qui est loin. Celui-ci qui est loin. Et il reste ce gros-là. Parce que là, celui qu'on était en train de défoncer, c'était pas celui-ci. Il me semble que c'était celui-là. Celui-ci, il va falloir qu'on aille s'en charger. En parlant de se charger, est-ce que. Nous avons du stock de munitions d'obus. Ah oui, on voulait faire un lance-flamme aussi. Dès que j'ai fini ça, je vais faire un lance-flamme. Il faut de l'huile légère, des pétales lourdes et des plaques de fer pour faire des munitions de lance-flamme.
Et ça, on en a à balle. On a combien? On a 72 obus, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Ouais, du coup, les plaques de... Ah, j'ai pas les plaques de fer accessibles depuis ici. Merde. Oh, man. Mais on a ça. Ouais, c'est bon, on va pouvoir les faire. Les munitions, on va les faire ici. Et ça se fait, du coup, là, de... Non, j'ai pas fini ma clope, non. Salut, oh non, c'est Freezer, j'ai cru que c'était fini. Bonjour, Freezer. T'enregistrerai des modèles, et quand tu auras débloqué les drones, ils construiront n'importe quelle structure à ta place selon tes modèles. Ok, d'accord. D'accord. Attendez, pardon. Je voulais ceci. J'en avais un en stock en plus. Hop. Donc ici, il me faut des plaques de fer. Donc, des plaques de fer et il nous faut de l'huile. C'est pour faire ça. Il nous faut le jaune. On va le prendre depuis là. Non. On va le prendre depuis ça, depuis là. Comme ça. Et le jaune depuis là. Depuis. Voilà, comme ça. Il n'y a pas eu de croisement. J'ai pas mélangé les flux. Croiser les flux, c'est parfait. Hop là. Hop, et il nous manque encore les plaques de fer. Est-ce que tu peux terminer la construction des centres? Je les ai posés, je les ai même pas alimentés. J'ai peut-être fait un petit peu trop quand même. Attendez, on va annuler ceux-là. Je pense qu'il y en aura trop, j'aurai pas assez de potions. Quoique. Quoique. Vas-y, ramasse-moi. Coupe-moi tous ces arbres. Vambox est une citation. Croiser les flux. Non ? Une grande comédie française pourtant. Ou pas. J'ai plus de... Non, j'ai plus. Du coup, on va prendre ça. Je tire l'électricité. Je pense que j'aurai pas assez de potions. Des tapis roulants, j'en ai encore. Ah, recherche, puissance de balle. Non, vitesse de... Ouais, vitesse. Tapis roulant, j'en ai encore. J'en ai plus. Est-ce que... Oui, je l'ai fait ça. Hop. Au revoir Freezer. Salut Polak. Bonjour ceux qui arrivent. Je comprends pas, c'est pire que le... Ouf. Non. en gros, si t'es là depuis le début, ou si tu fais absolument tout toi-même depuis le début, ou si tu suis depuis le début, t'auras pas de problème à comprendre. Effectivement, par contre, arriver en plein milieu, là je comprends que ça puisse être un petit peu compliqué à suivre, à comprendre ce qui se passe, etc. quand on connaît pas le jeu. Ça, c'est clair. Tapis roulant. Mais du coup je t'invite à aller voir le let's play sur YouTube. Ben, tout ce live sera en rediff. La saison en cours est pas ouf sur YouTube parce que c'était mes débuts sur le jeu. Là maintenant j'ai bien appris mes erreurs je pense. Et ça va plutôt bien, plutôt mieux, ça va plutôt vite aussi. Parce que là ce que j'ai fait en presque 50 heures sur ma partie solo, ben là on l'a fait en quoi, ça fait 7 heures que je suis en live. Donc voilà. Ok, voilà, la production c'est good. On a un tout petit peu plus de recherche. Ah, il manque encore juste une pince. Voilà. Ça va bien, Polak, ça va bien. Alors, production électrique. Ouais, mais je check toujours la nuit. Et là, du coup, la nuit, j'ai pas assez...
Là, j'ai juste pas assez de... Ouais, il va falloir vraiment que je fasse des batteries en plus. Est-ce que je peux en faire, là, maintenant? Il manque masse de batteries. On va aller chercher des batteries. Normalement, on en a 8000 en stock. Voilà, on reste là. Et ça ramasse. On va essayer de pas ramasser le plastique parce qu'on s'en fout. Le charbon, on peut ramasser. Sans souci. Voilà, et du coup, je peux faire 32 accumulateurs en plus. La musique Vambot, c'est la musique... Vambot. Vambox, c'est la musique de Deus Ex, Human Revolution. C'est la... l'OST de Human Revolution. Quand vous avez vu, moi, j'ai entendu ça dans le commandement. C'est exactement ça, Dalloustic. C'est de là que je l'ai pris, en tout cas, citation. Je sais pas si ça a été dit autre part. Et c'est pour ça que je disais de la grande comédie française, n'est-ce pas? Voilà, quelques accumulateurs de plus. En termes de production électrique, on est retombé dans le positif. Ouais, alors par contre, c'est extrêmement long à crafter, ça, c'est chiant. Ok, bon, la recherche est en cours. Toute la production suit. Les potions bleues, je pense que ça doit être bon. Hein. La vitesse de production. Ah, par contre, le fer ici. Ici, ça consomme un petit peu trop de. Un tout petit peu trop. Ouais, mais oui, c'est vrai que j'ai encore les panneaux solaires. Arrête la production de panneaux solaires. Plus besoin. Parce que, ah, putain, j'en ai encore 42. Je vais poser les derniers que je peux poser ici. Je pense qu'on va virer cette ligne. On va les poser au-dessus pour pas taper dedans qu'on ait encore une route en fait. Voilà, on va les poser depuis là. Et qu'on ait de la marge parce que sinon je vais taper dedans avec le char, je le vois venir gros comme une maison. Voilà, on va pas en poser plus. Je pense qu'on peut y aller comme ça, et à la limite, est-ce qu'on mettrait pas une rangée de plus? Non, je pense qu'on est bon comme ça. On est bon comme ça. Du coup, on va remplacer cela par cela. On va essayer de pas devoir poser de pylône en plein milieu. Je vais devoir poser un pylône en plein milieu. Si je le pose là. Ouais, ça passe. Limite, mais ça passe. On n'a plus besoin de cela, du coup. On va poser les petits. Voilà. Ouais, je peux en poser un petit peu ici aussi. Tant qu'on y est. Poser les derniers. Ouais, évidemment, il y en a un qui n'est pas alimenté. Ah, je peux pas passer. Et il m'en reste un. Alors, recherche terminée, on va encore rechercher... Ouais, c'est long ça. On s'en fout, c'est quoi? Technologie alien disponible. Ouais, pour faire les recherches supplémentaires, on peut chercher ça. Et du coup, honnêtement, je pense qu'on arrive à poser les silos de missiles encore ce soir, les gens. Quelle heure il est là? Il est 3h30, ouais, on arrivera encore à poser les silos de missiles aujourd'hui. Parce que là, en gros, les silos de missiles sont là. Cette recherche-là est dispo, ceux-là, ils sont pas très loin. Ouais, si, ils sont assez loin, mais ça va aller vite. Honnêtement, ça va vraiment aller vite. Je pense qu'on arrive à finir le jeu. Après, on va pas. C'est pas parce qu'on a terminé la construction qu'on va s'arrêter là. On va industrialiser encore plus ce monde. Et on voulait notamment raser la forêt avec du feu. Attendez, à quoi j'en étais au terme de. Ici. Je devais amener le fer, oui, voilà. Il me faut. Parlant de fer, j'en ai plus. Ouais, j'ai ramassé plein de merdier. Mais au moins, je peux faire ça. Ouais, je peux aller poser mes 19 accumulateurs aussi.
Là. Là. Et là, normalement. Non, ils font deux de large. Donc là. Et voilà. Et du coup, ça, je peux le virer. Oui. Non. J'ai un truc qui peut alimenter. Hop là, voilà. Ils sont quasiment à l'arrêt. Hein. Voilà, ils se rallument parce que l'électricité solaire est en train de diminuer. Mais ça marche bien. Et au moment où ça va rejoindre ça, je crois que c'est à ce moment-là que on passe justement sur les accumulateurs. Je vais encore pouvoir en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai de quoi en crafter 7 sur moi? Non, j'en ai plus. J'ai pas de batterie. Ah, c'est au moment où les panneaux solaires s'éteignent. Je sais pas quand est-ce qu'ils s'allument exactement. Là, ils sont entièrement full. Voilà, ils sont allumés. Ils sont éteints direct. Mais non. Voilà, là, ils sont allumés. Ah, mais ça va, ils diminuent pas trop vite en fait. Bah, ils produisent pas à balle. Ils produisent un quart quand même. Un quart de notre production. Donc, c'est pas trop mal. Après, on les améliorera. Évidemment, il me fallait ceci. Tapis roulant. Tac. Petit problème, je dois avoir un pont quelque part qui n'est pas relié parce que vu qu'il se crafte par deux et que ça se pose toujours par deux. Voilà. Et voilà, et là du coup on a de quoi crafter, combien il en faut des plaques, il en faut 5, on a de quoi crafter du carburant pour lance-flammes, magnifique, hop, on va poser un coffre, voilà, tu vas pas m'en faire en masse, tu vas m'en faire 100 maximum si ça se stack par 100, voilà, si je lis le chat hein, bien sûr. Ok, t'es un petit peu lent, toi. Voilà. Ça irait mieux comme ça. Ça irait mieux comme ça. Et les obus à missiles. Enfin, les obus, pardon, à tank. 133 obus. On va aller défoncer de l'alien. Voilà. J'ai presque plus de munitions. Je vais aller chercher un peu de munitions pour mon tank. Je peux prendre la voiture pour... Ah non, je peux plus passer avec la voiture. Faudrait que je fasse des routes. Mes munitions, elles sont là. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Et du coup, pour ceux qui connaissent le jeu, est-ce qu'on arrive... Bah Redbug est encore là. Est-ce qu'on arrive à faire une production 100% sur les panneaux solaires? Est-ce qu'on arrive à tenir 100% sur les panneaux solaires sans devoir en poser 80 000? Allez hop, munitions. Je vais même poser celle-là, comme ça me débarrassera de mon inventaire. Et il refait jour, du coup on va aller défoncer... Le nid qui est... arrête-toi. Le nid qui est là. On va bourriner à travers la forêt, je crois. Hein. Oui, mais justement, tu dois en poser 80 000. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, on bourrine à travers la forêt. Vous voyez que ça enlève... 2%, quelque chose comme ça, de la durabilité de mon tank. Alors, c'est un nid... Bon, ça va, il est pas si gigantesque que ça. On va juste pas être à portée des gros vers. Les gros vers qui se font one shot, hein. Moi, je dis ça. Aïe.
Camp nettoyé. Bon, les petits asticots, par contre, vous m'emmerdez. Barrez-vous, je peux même pas vous reculer dessus. Merci. Bon, ça c'est fait. Je vais vous remettre la caméra. Tu peux mettre le lance-flamme sur le tank? Non, je crois pas. D'ailleurs, j'étais déçu de ça sur ma partie solo. En tout cas, sur l'autre véhicule, on peut pas. Sur la voiture, on peut pas. Peut-être sur le tank, on peut, mais. En tout cas, j'ai pas réussi. On va aller faire le camp qui est à droite là plutôt. J'ai oublié un truc. Non, c'est un truc de pétrole. On va poser un tapis roulant quand même pour pas que ça respawn. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc je rappelle, hein, on me l'a dit tout à l'heure, en posant un tapis roulant, les camps peuvent respawn, mais en posant un tapis roulant, ça crée une zone autour duquel les camps ne peuvent pas apparaître. Et du coup, les camps ne peuvent pas apparaître à cet endroit-là. Allez, on défonce tout le monde. Ah, mais c'est vrai que je peux le rouler dessus au pire. Ah, bah ça défonce pas mal mon tank par contre. Bon, alors vous m'emmerdez. Arrêtez tout. Voilà, merci. Ça, c'est fait. On va réparer. Ah, mais c'est bon, arrête de faire l'alerte comme qu'on est attaqué. Voilà. Ça, c'est réparé. Ah, c'est vrai que j'ai plus mon radar non plus. Combien il me reste? Il me reste 81 obus. 81 obus, j'ai oublié les. J'ai pas remis les tapis roulants. Ouais, je sais sur les premiers camps que j'ai fait, mais à la limite, on va y repasser là maintenant. Parce qu'on va aller faire le camp qu'on avait commencé. Donc je vais le faire au passage. Voilà, c'est ici. Quoique non, là j'ai. Non, ça c'est le camp que j'ai fait juste avant. On va aller faire ces deux gros camps là. Et là en termes technologie alien, j'ai 259 technologies alien. Il me semble pas qu'on puisse réparer depuis l'intérieur. Il me semble qu'il faut sortir. Allez, on défonce tout. Technologie alien recherchée, parfait. On va rechercher ça. Ah, j'ai raté mon tir. Il y a encore ceux-là qui sont pas sortis, mais on va se les faire quand même. Tirez-vous maintenant. Il est pas mort, s'il est mort. Il fait nuit, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Je tire à vue, hein. Je tire au jugé. Qu'est-ce qui reste? Je crois qu'on a tout eu, hein. Il me semble qu'on a tout eu. Il me semble qu'on a tout eu. Magnifique. Splendide! Oui, c'est très proche du design de Zerg de StarCraft, effectivement. Ça fait un peu sport-huleur rampant. Je vais poser un tapis roulant par ici. Et là-haut aussi. Très bien. On va réparer le tank. Et je pense qu'on va pouvoir rentrer, hein. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on approche de la base? Il y a ce camp là-bas, mais c'est au milieu de la forêt, ça m'emmerde. Là, il y a ces trois trous de verre. Et sinon, je crois qu'on a rien oublié. On va y aller comme ça. Ouais, les bâtiments, moi, ils me font penser aux bâtiments à...
Merde, oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à StarCraft. Au bâtiment pour les gros machins volants super lents qui balancent des petits POC. Je sais plus comment ils s'appellent. Sur StarCraft. Tiens, un chemin tout préparé pour mon tank. À peu près. Maintenant c'est tout préparé. Les arbres ont repoussé ou j'ai rêvé? On va aller se faire les trois trucs là. J'aime pas. Les Broodlord, merci. Bata Broodlord. Ouais, je voulais aller défoncer vite fait les 3 ou 4. Combien d'heures tu dors? Combien d'heures tu dors par jour? Je dors 7 à 8 heures hein, quand même. Mais je dors la journée, pas la nuit. Aïe, yeah. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je pense qu'on est bon. Et tant qu'on y est, je pense qu'on va vite fait aller chercher ce camp quand même. Qui est un tout petit peu trop proche de chez nous. Et voir ce que c'est que ce point rouge là qui traîne. Je pense que c'est un trou de verre. C'est un gros asticot qui traîne. Ah ouais, non, c'est pas grave. Yeah, c'était pas un camp. Qu'on fait du SC2. Bah honnêtement, j'ai un peu perdu l'âme de SC2. Je me suis arrêté. Moi j'étais déjà sur Wing of Liberty hein, avant HOTS. Et j'ai un peu perdu l'âme sur HOTS. Et... Non, pas Wing of Liberty. Si. Et Legacy of the Void, je l'ai même pas testé, je l'ai même pas acheté. Alors, le petit point rouge perdu. Il est par là, il est là. Il est mort. Oh, c'est pas mal. Recherche terminée. Circuit combinatoire, je sais toujours pas ce que c'est. Traitement avancé, ça c'est four. Ah ouais, four en acier, ça pourrait être bien même. Quoique. Poste électrique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, puissance d'étoile mitrailleuse. Ouais, je disais, j'aime bien l'animation à travers la forêt, comme ça coupe les arbres, c'est pas mal. Et du coup, ouais, juste ce camp qui traîne là. Ça va, il y a un gros vert et deux camps, ça se fait. Aïe, yeah. Ça c'est fait. Barrez-vous, saloperie. Merci. Et... les scouts aussi là-bas en bas. Ouais, non, même pas. Même pas. Là, on est vraiment safe pendant un bon moment. Je pense qu'on va pas du tout se faire attaquer. Et au pire, on a du toit là. Ça sert à quoi la tecaline? En gros, c'est des potions supplémentaires pour la recherche avancée. Donc, ces potions violettes. Mais qui sont extrêmement simples à faire, en fait il suffit de mettre un... Ah bah tiens, il y a encore un bâtiment ici, j'avais pas vu. C'est même pas volontaire. Par contre les gros verts ils font quand même mal hein. Enfin mal, vite. Je veux dire vite. Savoir qu'ils nous one shot presque quand on est à poil. Quand on est à pied. Putain, je sais pas tirer. Merci. Voilà. Il y en a encore. Qui est mort. Parfait. Ben voilà. Go pour la pollution. Si t'as pas vu la campagne Legacy of the Void, ou si tu te l'as pas spoilé, je te la conseille vraiment. Il y a des trucs de ouf qui arrivent. Ok, bah je crois que j'ai même pas fini la campagne de HOTS en fait. De mémoire, j'ai pas fini la campagne de HOTS. J'ai fait tout Wing of Liberty en brutal. Et HOTS, je l'ai pas fini. On est de retour, bonjour. Allez, on répare vite fait le tank, comme ça ce sera fait. Voilà, on va réparer vite fait ce qu'avait pris la voiture, parfait. Du coup, on va quand même tester le lance-flamme. On va se crafter un lance-flamme. On va ramasser un petit peu de munitions à lance-flamme. Voilà, 50.
Tu vas mettre là. Oh, tu peux t'arrêter hein, pour le moment. Le lance-flamme. Je vais sauver avant, quoi. Pour être sûr, je vais sauver avant, pas foutre le feu à ma base. Sauvons. Du coup, le lance-flamme. Est-ce que je le sélectionne? Oh, mais je suis déception un petit peu. Alors, je prends des dégâts de feu. Mais le feu se répand pas. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde.